Salut tout le monde. Voilà. Salut tout le monde. On reprend. Aujourd'hui, on va faire un gâteau. Je sais pas si comme nous, vous êtes un peu ras-le-bol, mais on tient le coup, on tient le coup, on tient le coup. Alors Coco, il s'est pris pour un chirurgien, cuisinier, je sais pas trop quoi. Il est super sérieux avec son masque, il l'a jamais quitté depuis hier. Bah, aujourd'hui, on fait un gâteau yaourt super simple. Si vous n'avez pas le temps pour faire des gâteaux de temps en temps pour les fêtes et les machins qu'on peut en fait pas du tout faire, mais c'est pas grave. Moi je rajoute des carrés de chocolat dedans, mais vous pouvez le faire en fait à toutes les sauces, c'est-à-dire avec du jus de citron, du zeste de citron, la confiture, voilà. Donc il nous faut du chocolat, un yaourt, du sucre, des œufs, beurre fondu, de la farine, un sachet de levure dont je ne dirai pas la marque, et c'est tout, voilà. Alors ce qui est bien avec cette recette, c'est qu'on n'a pas besoin de verre-doseur. On est surtout dans le pot de yaourt. Donc on verse le pot de yaourt dans notre salade. Ensuite on met, avec son yaourt, on mesure à peu près 4 yaourts de farine. Je fais à l'arrache, hein. Voilà. On en met partout. On met 2 yaourts de sucre. Wow! Ouais! Alors, avec Coco, on aime bien se lancer les objets, on fait du tennis. Une fois que vous avez mis la farine, le sucre et le yaourt, on mélange. Allez, Coco, vas-y, parce que là, ça me va. Allez, salut! Une fois qu'on a mélangé la farine, le sucre et le yaourt, on rajoute 4 œufs. 1, 2, 3! Et 4! Donc on a les œufs, la farine, le sucre, le yaourt. Coco, tu vas prendre le relais. Tiens. Allez, ça vient plus! Quoi? Il a fini! Allez, on va voir si c'est homogène! Hein? Mais ça m'a l'air pas mal du tout, ça, Coco! Oh, on va le féliciter, ce petit gorille! Check! Bon, une fois que c'est homogène, on rajoute du beurre. Alors, en gros, c'est un yaourt de beurre. Si vous êtes des gros porcs, vous pouvez mettre plus. Hein. Moi, j'ai mis du beurre salé parce que j'aime bien le sel dans le sucre. Et on mélange. On a bien fait intégrer le beurre et on rajoute sachet de levure. Et on mélange. Allez. On prend un moule. On a mis avant du beurre et de la farine pour pas que ça colle. On fait couler la pâte. Si vous êtes des gros porcs comme nous, et ben vous laissez la moitié de la pâte dans le saladier pour aller lécher après. Allez, tiens. Merde. Et ensuite, on laisse tomber une pluie de carrés de chocolat dans la pâte. Et ouais. Alors j'ai mis une demi-tablette de chocolat noir à noir. Et ensuite, on met ça au four à 180 pendant 30-40 minutes. Je sais pas pourquoi je prends un putain d'accent du sud. Mais voilà, en attendant la cuisson des gâteaux avec Coco, on fait la fête. Ah, on s'est un peu débarbouillé en entendant que ça cuit. Ben, on pense à nos familles qu'on envoie à Coco.